tous, bonjour à toutes. Alors, nouvelle partie de cette vidéo acquisition. Je vais essayer de faire aussi court que la première, donc je ne vais pas vous présenter la totalité de mes derniers achats, mais seulement une deuxième partie, hein. Et on va commencer très vite, hein, par cet album. Voilà, The Residents. Hein, Residents, j'ai fait une vidéo sur ce groupe absolument fabuleux. Hein. Alors, l'album, c'est 13e anniversaire, spectacle du 13e anniversaire avec Snake Finger. Hein. C'est un album de 1986 qui est sorti en 1986, pressage hollandais. Et pour des concerts enregistrés à Tokyo en 1985. Alors, c'est les Residents, hein, c'est totalement improbable, totalement barré. Hein, le label Torso, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et puis, une pochette complètement démente. Hein. Alors, vous regardez. C'est dommage que ça ne soit pas un gatefold, parce que sinon, en gros, hein, c'est comme une espèce de jeu de loi, je dirais. Tu vois, elle commence comme ça, là. Hop, ça tourne ici. Enfin bon, je vous laisse regarder. Voilà. Hop. Alors ici, là, ce sont les Residents eux-mêmes avec leur costume de scène, hein, l'espèce de masque en forme de globe oculaire, hein, comme quoi les Daft Punk n'avaient rien inventé, hein, en tout cas musicalement. Et scéniquement, hein, par les masques sur la tête, ils n'ont rien inventé. Par contre, The Residents, oui, ont inventé beaucoup de choses, hein, et une manière musicalement de, comment dire, de dynamiter un petit peu tout ça. Hein. Là, vous avez un titre Jailhouse Rock d'Elvis Presley, comment dire, trituré à la sauce Residents, hein, c'est-à-dire déformé, parodié. Etc. etc. Hein. Vous avez aussi Easter Woman, This is a Man's World. Hein, enfin bref, superbe album. Alors je l'ai acheté sur Rakuten. J'ai dû le payer 10 euros, 12 euros avec les frais de port. Hein. Voilà, ça complète ma collection des albums de Residents, hein, dont certains que j'ai depuis des années et des années, en pressage US notamment. Voilà, hein. The Residents. Ensuite, j'ai fait un vide-grenier, pas le dimanche qui vient de se passer, mais le dimanche d'avant. Il y en avait plusieurs, il y en avait même beaucoup, mais j'ai pas eu le courage. Alors j'en ai fait un où j'ai absolument rien trouvé, et puis un deuxième où il y avait les bagues d'un vendeur pro, hein, que je connais bien. Et j'ai quand même pris certains albums pour une somme assez rondelette, mais. Pas non plus excessive, hein. Une cinquantaine d'euros pour 5 albums. Alors, on va commencer par le premier, donc François Fuske, le nouveau jazz, hein, avec Barney Whelan. Alors, le nouveau jazz, hein, François Fuske, pianiste de jazz, un des pionniers en France du free jazz, je crois. Bien me souvenir que son premier album s'appelle Free Jazz, justement, hein, dans lequel on retrouve entre autres Michel Portal. Hein. Et donc là, c'est un album de 1967. Hein. Là, c'est la réédition de 2000, 2014-2015, hein, je crois, 2014 ou 2015, hein, paru sur le label Cacophonique. Hein. C'est un pressage français. Hein, sur ce label. Alors, on retrouve Barney Whelan sur la quasi-totalité de la, enfin, sur la totalité de la phase 2, hein, une espèce de triptyque, hein, qui s'appelle Cantique du Diable, Les Sorcières et Dialogue 2, hein, sur lequel on trouve comme musicien François Tuske au piano, Barney Whelan au saxophone ténor, Aldo Romano à la batterie, Jean-François Jenny Clark et Bernard Guérin au contrebasse. Hein. Superbe album de jazz, de free jazz. Alors, free jazz encore relativement accessible, on n'est pas encore dans les expérimentations assez
assez barré du free jazz français, hein, qui va mélanger le jazz, le free jazz et la musique contemporaine, hein. On n'est pas encore dans les excès, si on peut dire, hein, de cette musique, hein, et ça reste très très accessible. Alors François Tusk, hein, c'est vraiment un des pionniers de ce style du free jazz en France, hein. Ça a été vraiment c'est un des musiciens fondateurs de ce mouvement, hein, qui était à la fois novateur en Europe, en tout cas, qui était avec une volonté un petit peu de secouer le cocotier du jazz qui ronronnait un petit peu, hein. Et puis on a quand même, sur cet album, hein, ne serait-ce que Barney Whelan, hein, dont je vous ai parlé très récemment avec la réédition Souffle Continu de son merveilleux album Moshi, hein, Barney Whelan, qui a aussi joué avec Miles Davis pour la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud. Voilà. Donc François Tusk est quelqu'un qui a eu une influence et un rôle très important dans tout ce qui est le free jazz français. Chouette réédition. Bon, il faut dire que l'album original de 1967 coûte quand même très très cher et que on peut parfois se contenter de belles rééditions, de rééditions de qualité comme celle-là. Hein. Voilà, donc François Tusk, le nouveau jazz. Et on passe à la suite. L'album suivant. Alors, l'album suivant, petit coup de gueule. Hein, et je vais rejoindre le club de mon ami Yann Hogarth et Esther Vinyl. Alors, pour commencer, hein, l'album du groupe Tangerine, c'est un OG, un original de 1976. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il n'a été réédité qu'en CD dans les années 70 ou même plus tard, hein, 94, voilà, c'est ça, 94. Alors là, c'est paru sur le label Crypto, hein, Pressage Original. On est dans du folk progressif, hein, français. C'est le second album de Tangerine. Je vous avais présenté leur premier album, hein, que j'avoue préféré à celui-là. Si je me souviens bien, mais je le remettrai parce que je ne suis pas sûr, l'album, je crois que s'appelle le premier album, c'est De l'autre côté de la forêt, hein. Et sur le premier album, il y a la voix de la chanteuse, hein, qui apporte une certaine douceur et peut-être plus d'expressivité, d'émotion que sur cet album. Cela étant, il est absolument superbe. C'est un très très bel album, hein, très très bel album de folk progressif, hein. Voilà. Tangerine, l'album s'appelle Mémoire. Alors, mon coup de gueule, hein, c'est que, alors, je ne sais pas si ça se voit, mais je peux vous dire que il est voilé. Voilà. Pourtant, je l'ai sorti de la pochette, j'ai regardé comme ça, mais voilà. Je ne sais pas si on le voit. Oui, là, on doit bien le voir, hein. Il est voilé. Donc, il passe parfaitement sur la platine. Mais, comme pour le Led Zeppelin de Ian Hogarth, hein, ça donne le mal de mer, donc j'évite de le regarder pendant qu'il passe sur la platine. Je me demande quand même si un palais presseur sur ma platine ne serait pas efficace pour aplatir un petit peu ces vagues très très désagréables. Enfin voilà, donc même chez les vendeurs pros, il faut faire attention, surtout avec des pressages un peu anciens, parce que parfois, peut-être trop serré, peut-être. Oui, peut-être rester un peu longtemps exposé au soleil, hein. Bon, là, ce n'était pas le cas encore ce jour-là. Il y avait du soleil, mais j'y suis arrivé relativement tôt, donc ça n'avait pas eu le temps de chauffer, hein. Donc, je pense que c'est antérieur, hein. Enfin, voilà, très, très chouette album de folk progressif avec, malheureusement, ce vague à l'âme, si on peut dire, hein, c'est un peu ralent, quand même. C'est un peu ralent. Enfin, ou rageant. Ouais, c'est un peu rageant et ça fait râler. Voilà, donc Tangerine, Mémoire. Album suivant, toujours chez le même vendeur pro, hein. Alors, hop, John Coltrane, et l'album s'appelle Tanganyika Strut. Alors, c'est paru sur le label Big, hein. C'est paru en 1971. Hop, je vous montre très vite, hein, 1971, hein.
L'original date de 58. Alors on est, il y a trois titres, trois, quatre titres hein, sur cet album. Hein. On est quand même dans une pratique un petit peu pénible hein, dans le jazz. Hein. L'album est attribué à John Coltrane. Or, sur cet album, ben John Coltrane n'était pas à l'origine le leader. En 1958, hein, le leader, l'album était paru sous le nom de Wilbur Arden. Et c'est pas la première fois hein, que ça se passe. Hein. J'ai un autre album, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Dakar, il me semble, qui est attribué à Coltrane, mais dont le leader du sextet ou du quintet hein, était le Wilbur Arden, hein, qui est un. Alors, hein, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Enfin bon, bref, je vous le... Ah si, voilà, c'est marqué là. Wilbur Arden. Trompette. Hein, on a aussi Curtis Fuller au trombone. Hein, bon, et aucune des compositions n'est de John Coltrane. Alors, effectivement, le saxophone de Coltrane a une. Comment dire. Imprègne hein, l'album, hein, mais ce n'est pas un album de John Coltrane. Donc, moi, je suis un fan de Coltrane, donc je vois Coltrane, il n'était pas. C'était pas parmi les plus chers, quoi, qu'il était à 10 balles, quoi. Hein. Donc, je l'ai pris, hein, puis il est en parfait état, hein, même malgré l'ancienneté. Mais c'est pas un album de John Coltrane. Voilà. Donc, c'est assez fréquent. Donc, il faut se méfier parfois. Il faut se méfier. Bon, mais je pense qu'à un moment, il est arrivé un moment de bascule où ben, Coltrane est devenu plus connu, plus populaire et plus vendeur que Wilbur Arden. Et donc, résultat, ben, c'est réédité sous le nom de John Coltrane. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Album suivant, et ça par contre ça c'est une tuerie. Eric Dolphy, Booker Little, et l'album c'est Memorial Album, un enregistrement libre, live at the Five Spot. Alors c'est un album de 1965 pour l'original, et là c'est un pressage français de 1973 hein, sur Prestige. Hein. Booker Little est un trompettiste, hein, Eric Dolphy, on ne le présente pas, basse, clarinette, saxophone alto. Hein. Voilà, je vous montre. Hop. Voilà. Alors, il y a deux titres sur cet album. Hein. Un titre sur la face A, un titre de Dolphy, et puis sur la face B, un autre titre d'Eric Dolphy, hein, Number 8 et Booker's Waltz. Et c'est absolument fabuleux. On est entre le hard bop et le free jazz d'Eric Dolphy naissant, donc ça reste très facile, enfin facile, très accessible musicalement. Hein. Il y a un moment, le piano de Mal Waldron sur un des titres, enfin Mal Waldron joue sur tous les titres, hein. Je vous montre la tracklist, hein. Enfin la tracklist, les musiciens. Hein. C'est pas n'importe qui, hein. Eddie Blackwell, Richard Davis, bon, Booker Little et Eric Dolphy. Et c'est une merveille. Le piano de Mal Waldron, le saxophone et de Dolphy, la trompette de Booker Little, c'est absolument génial. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Hein. Voilà. Eric Dolphy, si vous tombez dessus, cet album, il faut le prendre. Hein. Aucune hésitation. Et le dernier album acheté ce jour-là. Hop. Macanundo de Ahmad Jamal. Alors là, c'est un album, c'est un pressage US de 1965. Hein. L'original date de 63, donc on n'est pas loin de l'original, sur le label Cadet. Hein. Alors, Ahmad Jamal était un pianiste. Hein. Pianiste de jazz, bebop, hard bop. Hein. Là, la prise de son est d'un certain Rudy Van Gelder. Alors, Rudy Van Gelder, hein, si vous ne connaissez pas ce nom, bah, c'est lui qui est souvent, très très souvent, derrière les prises de son chez Blue Note. Donc là, je peux vous dire que ça sonne superbement, superbement bien. Après, musicalement,
Le titre peut-être vous renseigner un peu. Hein. On est dans du Latin jazz, hein, cha-cha, samba, bossa nova, jazz. Hein. Donc c'est très bon, c'est très chaud. Le piano de d'Amal Jamal, de toute façon, est de très très grande qualité. Voilà. Mais c'est pas non plus, comment dire, impérissable. Voilà. C'est un très très bon album. On passe un excellent moment musicalement. C'est superbe. Hein. Mais voilà, c'est assez, comment dire, assez classique d'une certaine manière. Hein, assez classique de ce style de jazz latin. Très imprégné hein, des rythmes latinos, des rythmes d'Amérique du Sud, hein, voilà, des rythmes brésiliens. Enfin, mais bon, voilà, il y a des bossa nova. Voilà, on est vraiment dans le jazz latin de ce qu'il y a de plus de plus expressif hein, et de plus chatoyant. Joli album. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est mon troisième album d'Amad Jamal, hein, troisième, quatrième peut-être, hein, je sais plus. Enfin, ça n'a pas une grosse importance. Hein. C'est un enregistrement qui a été enregistré aux États-Unis hein, en 62, par justement Rudy Van Gelder hein, dans son studio. Hein, et c'est du très très bon Latin jazz. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'aurai encore d'autres disques à vous présenter dans une troisième partie. Hein, j'en ai au moins 5 encore. Donc on va faire court. Et puis je vais vous mettre un petit zapping hein, pour terminer cette vidéo. En attendant, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Hein, et puis je vous dis à très vite pour la troisième partie de cette deuxième partie des acquisitions du mois de juin 2021. Voilà, à bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Beans were, but it wouldn't be enough. No, it wouldn't be nothing. No, it wouldn't be nothing without a woman. Without a woman. Thank you.